devient Mario Barrett ? Chanteur, auteur-compositeur, producteur, acteur, Mario a tout fait. Artiste polyvalent et ouvert à toutes les possibilités, il s'impose rapidement dans le monde de la musique. Cela dit, la question reste, où est-il maintenant ? Que se passe-t-il dans la vie de quelqu'un qui a été nominé 2 fois pour un Grammy Award ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Mario Barrett. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mario Dewar Barrett est né le 27 août 1986 à Baltimore, Maryland. Il a été élevé par sa grand-mère, tandis que sa mère était aux prises avec de graves problèmes de drogue. Dès le départ, il sait qu'il veut devenir chanteur. Pour réaliser son rêve, sa mère lui achète une machine à karaoké. Il rejoint ensuite un groupe de musique à la Milford Mill Academy, où il apprend le piano et qu'il utilisera pour composer les mélodies de ses chansons. Plus tard, à l'âge de 11 ans, il est découvert par le producteur Troy Patterson après sa performance de I'll Make Love to You, lors d'un spectacle de jeunes talents au Coppin State College. Il se voit ensuite proposer un contrat d'enregistrement alors qu'il n'a que 14 ans. Après la mort de sa grand-mère en 1999, il est contraint de vivre avec sa mère toxicomane. Lorsque Mario rentre en première année de lycée, sa mère permet à Troy de devenir son tuteur légal qui deviendra son manager. Mario déménage dans le New Jersey où il attire l'attention de Clive Davis et est signé par Jay Records. Mario devient une star avec son single Just a Friend. Après le succès de son premier album, Mario ne s'arrête pas et n'essaye pas de se détendre. Il commence immédiatement à travailler sur son prochain album. En 2002, les singles de son premier album, Mario, dont Just a Friend, connaissent un énorme succès et culminent à la première place des charts. Son premier album s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires. Il a également joué la première partie du Scream Tour 3 avec B2K, Marquise Houston, Nick Cannon, Jhené Aiko et AJA. Après son premier album, il veut changer son image dans l'esprit des spectateurs car il veut faire un album plus mûr. Il travaille avec des producteurs bien connus, Scott Storch et Lil Jon. Plus tard, en 2004, il sort son deuxième album, Turning Point, qui est encore plus réussi que le premier en raison du single intitulé Let Me Love You, qui devient double platine. Ce single a culminé à la première place du Billboard Hot 100 pendant 9 semaines consécutives, et l'album est certifié disque de platine. Son deuxième album et son single Let Me Love You lui valent 2 nominations aux Grammy Awards. Les choses ne se passent pourtant pas bien en 2006, lorsque Mario intente une action en justice contre son manager et tuteur, Troy Patterson. Il se murmure que l'artiste n'aurait touché que 50 000 $ pour la vente de ses 3 millions d'albums, tandis que la production aurait touché pas moins de 20 000 000 $. Plus tard, Troy lui-même porte plainte contre lui et l'accuse de rupture de contrat. Un accord secret sera signé entre les deux parties. En 2007, il participe à un documentaire de MTV, L'histoire de Mario et sa mère, où il affronte son passé. Dans ce documentaire, il s'efforce d'aider sa mère à arrêter l'héroïne. Il mentionne dans le documentaire qu'il s'inquiète pour sa mère car elle peut parfois disparaître pendant des jours. Il y a beaucoup de tensions entre les deux et il a peur de la voir passer trop de temps dans la salle de bain. Elle, d'autre part, refuse de suivre un traitement pour sa dépendance et nie avoir un problème. À la fin du documentaire, sa mère accepte de suivre une cure. Après le documentaire, il sort son troisième album intitulé Go, le 11 décembre 2007. Dans l'un des singles, Do Right, il évoque les problèmes de sa mère. Il reste cependant très triste de ne pas avoir eu le soutien de sa mère. Dans une interview avec Seventeen Magazine, il admet avoir vendu de la drogue mais assure ne pas vouloir gâcher sa vie en restant dans la rue. En 2008, il cofonde la Do Right Foundation pour aider des personnes aux prises avec leurs parents de toxicomanes. Plus tard, en 2009, il sort son album intitulé DNA qui propose le premier single Break Up avec Sean Garrett et Gucci Mane. Mais les choses ne se déroulent pas comme on peut s'y attendre. Mario est accusé d'agression au deuxième degré sur sa mère. Elle dit aux policiers qu'il a détruit leur appartement et l'a violenté, ce qui lui a causé un problème mineur de santé. Il sera emprisonné pour avoir prétendument agressé sa mère et elle affirme que ce n'était pas la première fois qu'il l'agresse physiquement. Plus tard, Mario est libéré sous une caution de 50 000 $. L'avocat de Mario déclare qu'il s'agit d'un incident malheureux entre un fils aimant et une mère qui continue de lutter contre une dépendance dévastatrice. Sa mère a par la suite abandonné les charges tout en admettant qu'elle était sous influence lorsque l'incident a eu lieu. Mario fait face à des revers consécutifs pour sortir ses albums. Mais la pire chose qui lui arrive est lorsque RCA Records décide de fermer Jay Records en 2011. Il est ensuite contraint d'enregistrer ses singles avec RCA. Ils ne sortent aucun album, Mario quitte rapidement le label pour cause de différences créatives. Plus tard, il déménage à LA. Il est enfin loin de la toxicité de sa mère. Il admet d'ailleurs que sa relation avec les femmes est influencée par sa relation avec sa mère, mais affirme que la distance aide à le soigner. Dans une interview avec le magazine Vibe, il déclare qu'il a personnellement grandi et qu'il fait face aux événements de son enfance. En discutant avec Hot 97, Mario déclare qu'il est célibataire depuis environ un an.
Il déclare, pour ceux qui savent ce que signifie le célibat, laissez-moi vous dire que c'est lorsque vous vous abstenez de mariage ou de relations physiques. Il déclare dans une interview que cela a affecté la façon dont il voit la vie et les relations amoureuses. Cette expérience a renforcé son esprit et maintenant il regarde les relations plus que de simples ébats physiques avec son partenaire. Il a également mentionné qu'il n'est sur aucune application ou site de rencontre. Effectivement, les femmes le contactent directement via les réseaux sociaux. Il déclara d'ailleurs avec beaucoup d'humour « Vous n'avez pas besoin d'une application de rencontre lorsque vous êtes présent sur la toile ». Puisque nous abordons la vie privée de la star, sachez qu'il garde celle-ci vraiment secrète. Mais il y a tout de même quelques noms qui ont fuité. Mario est sorti avec Gillian Barbieri, qui est une animatrice de télévision dans une émission matinale Good Day LA. Elle est née au Canada. Quand ils sont sortis ensemble, Mario n'avait que 18 ans et Gillian en avait 38. Elle était divorcée avec deux enfants. Hormis cette relation, il est également sorti avec Nicole Richa, Tinashe Jorgensen-Cachingui et Dez. Sa relation avec Dez reste un peu controversée. Son ancienne meilleure amie, Amber Rose, affirme qu'elle l'utilisait simplement et qu'elle n'a jamais été vraiment amoureuse de lui. Cependant, malgré ce petit drame, Mario et Dez font un voyage à Disney World et sont même photographiés à Miami Beach lors d'un date très romantique. En 2017, sa relation douce amère avec sa mère prend fin lorsqu'elle décède à l'âge de seulement 49 ans, des suites d'une overdose. Mario a canalisé sa tristesse intérieure dans sa musique et a sorti un nouvel album, Dancing Shadows. Mais la toxicomanie n'est pas le seul fléau qu'a rencontré Mario dans sa vie. Dans une autre émission, alors qu'il fait une interview, Mario raconte un incident choquant où il aurait été tenu sous la menace d'une arme par des policiers à Miami. Il était en voiture à Miami avec un ami qui portait une arme avec autorisation, la fille de ce dernier était présente avec eux. Suite à une obscure situation, son ami s'est battu avec un autre homme. Les deux ont sorti leurs armes, comme c'est malheureusement souvent le cas aux États-Unis. Mario a réussi à les calmer tous les deux et l'autre type est finalement parti. C'est alors que son ami est monté dans la voiture en posant son arme sur le tableau de bord et est allé utiliser les toilettes d'un bâtiment proche d'eux. Entre-temps, un témoin de cet incident a appelé la police, alors que Mario et la fille de son ami étaient toujours dans la voiture avec le pistolet sur le tableau de bord. Soudain, deux flics sont venus avec leur arme pointée vers lui, et quand ils ont posé des questions sur l'arme, Mario ne pouvait penser à rien et a dit qu'il n'y avait pas d'arme. Les policiers ont vu l'arme et lui ont demandé de ne pas bouger et de lever les mains. La situation ne s'est désamorcée que lorsqu'une femme officier de police l'a reconnue. Mais à ce moment-là, il a juste oublié d'être la star que l'on connaît et criait simplement « S'il vous plaît, ne me tirez pas dessus !» En racontant cette histoire, il a également ajouté qu'il avait été confronté au racisme dans sa vie, mais qu'en raison de sa popularité, il avait également connu des privilèges. Outre le chant, Mario joue également dans plusieurs films et fait également partie de l'équipe de compositeurs et de producteurs de Night Ritas qui collabore et produit les chansons pour Jennifer Lopez, Chris Brown, Jordyn Sparks, Usher et Raven Simone. Il apparaît dans Step Up, un film sur le thème de la danse, et Freedom Writer, où il joue un lycéen. Ce n'est pas tout, il est également apparu dans plusieurs émissions de télévision, dont l'une des émissions les plus célèbres, Empire. Mario a sorti le single Closer le 24 avril 2020, tandis que son prochain et sixième album devrait sortir en 2021. Voilà, c'était l'histoire de Mario. Faites-nous savoir laquelle de ses chansons est votre préférée, même si c'est la célèbre Let Me Love You. Bien, c'est tout pour le moment. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de laisser un like, car cela nous encourage à créer des contenus de qualité. Merci de nous suivre et n'oubliez pas que nous sortons fréquemment des contenus sur vos stars préférées.